Bonjour, bienvenue à Agendar pour cet événement international, le concert de Frédéric Bobin, en live sur Facebook, mais également en direct à Agendar. Bienvenue, on vous souhaite un très très bon concert et on accueille tout de suite Frédéric et Hélène en scène. Bienvenue! Bonsoir. Bonsoir Lyon. Bonsoir le monde. Le soir tombe et je n'ai pas changé le monde. J'ai laissé passer les cigognes, distraits par de vagues besognes. J'aurais tant voulu être bon, m'en aller comme un vagabond, arroser les terres brûlantes, accélérer les valses lentes. Le soir tombe, j'ai flâné dans les rues profondes et j'ai vendu la peau de l'ours. Je n'ai pas su trouver la source. J'aurais tant voulu être utile, interrompre le bruit des villes, écouter le cœur des saisons, mettre du bleu sur l'horizon. Le soir tombe, peu à peu les ombres s'allongent. Je n'ai pas changé l'eau des fleurs, je n'ai pas mis ma montre à l'heure. J'aurais tant voulu affaiblir les voix qui règnent sur les empires, chanter pour les hommes oubliés, briser le verre des sabliers. Le soir tombe sur les berceaux et sur les tombes. Que restera-t-il de nos peines, de nos espoirs, de nos je t'aime? J'ai laissé au bord du sentier quelques poèmes inachevés. Si tu viens les cueillir demain, je veillerai jusqu'au matin. Je veillerai jusqu'au matin. Merci. Ah, je vous imagine dans vos fauteuils avec un verre de bière à la main ou un verre de jus de fruits. Vous êtes combien d'ailleurs, vous pouvez me dire? 180. C'est plus qu'à Agendar. Hein, déjà, on peut le dire. Hein, bon. Alors, parmi les 180 personnes qui sont derrière vos écrans, est-ce qu'il y en a qui se souviennent parmi vous, est-ce qu'il y en a qui se souviennent des films Super 8? Oui, vous êtes gentils, je vous entends.
Alors moi, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. C'est un objet emblématique, un appareil emblématique de mon enfance, puisque mes parents, une de leurs grandes passions, c'était de faire des films de vacances, des films de famille, avec cette caméra Super 8. Alors pour les plus jeunes, il faut que j'explique quand même. Cette caméra-là, ça permettait de faire des films souvent très courts, et on voyait les images défiler, mais il n'y avait pas de son. C'est vraiment la préhistoire. Et donc j'ai essayé à ma manière de mettre des mots, des notes, de la musique comme une sorte de bande originale à toutes ces images d'enfance et d'adolescence, à tous ces souvenirs. Ça s'appelle donc Super 8. Début du parcours dans les vieux faubourgs d'une ville morte. Des usines en panne, bistrot et castagne, touche pas à mon pote. Une école primaire, la craie, la poussière, le bruit des motos. Des langues mélangées, Lisbonne et Alger, sous le même préau. Mon histoire défile comme un drôle de film. Je prends la fuite en Super 8. Passe les années, je plonge en acné, naufrage intégral. Le regard des filles fait fondre mes billes et mon idéal. Je vois qu'elles me toisent, alors je m'écrase, et comme un réflexe, je prends une guitare en guise de poignard contre mes complexes. Mon histoire défile comme un drôle de film, je prends la fuite en Super 8. 18 ans à peine, le feu dans les veines, les yeux grands ouverts. Je pars à la fac avec dans mon sac le monde à refaire. Y'a Che Guevara tatoué sur mon bras, je me sens rebelle. Je suis qu'un petit monarque noyé sous les marques et les décibels. Ah, mon histoire défile comme un drôle de film. Je prends la fuite en Super 8, en Super 8. Nous voilà ce soir, je marche au hasard le long des rivières. Je suis toujours vivant, même si les vents deviennent contraires. J'aurais tout de même semé quelques graines dans le bleu des villes. Des mots et des notes qui cognent à la porte des cœurs en exil. Mon histoire défile oh, comme un drôle de film. Je prends la fuite en Super 8. Je prends la fuite en Super 8. Super 8. Oh mais quelle ambiance! Magnifique. Bon. Toujours 180? Oh là là. Énorme. Si je peux faire un petit commentaire, c'est Jacques Vince qui fait remarquer que 220 écrans, mais peut-être combien devant chaque écran? Peut-être 10, on est 2000. Eh oui, on est 2000. Bon, rêvons. Alors, si vous êtes chaud, d'ailleurs, je vous sens chaud là, hein, gardez l'énergie parce que j'ai quelque chose de très important qui me tient beaucoup à cœur, en tout cas, à vous dire, c'est que toutes les chansons là, que je vais vous chanter pendant une petite heure,
Ces chansons-là, je les écris à quatre mains avec mon frangin, mon frère, il s'appelle Philippe. Et je pense à lui vraiment très très fort. Voilà, pensez à Philippe. Pensez également à un artiste que j'aime, qui s'appelle Kent, avec qui j'ai le plaisir de chanter la prochaine chanson en duo sur mon dernier album. Alors, c'était un peu compliqué de faire ce duo en visioconférence, je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Techniquement, c'était un peu difficile, mais je pense à Kent très fort qui m'a fait l'amitié de prêter sa voix à la chanson qui vient, qui s'appelle « Tant qu'il y aura des hommes ». Il y aura des hommes, il y aura des villes en flammes, des tours de Babylone, des forêts de napalm. Il y aura d'autres croisades, il y aura d'autres prisons, il n'y a qu'à changer les dates, il n'y a qu'à changer les noms. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des représailles, des peines maximum et des nuits de cristal, des guerres de 100 ans, des guerres de 6 jours, des fontaines de sang et des comptes à rebours. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes, il y aura des hommes, il y aura des filles maudites, des routes qui mènent à Rome, des couleurs interdites. Il y aura des kamikazes et la loi du talion, il y aura de l'eau dans le gaz, des gazelles et des lions. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes. Pour un seul poète qui vole vers l'azur, mais pour un seul prophète qui fait trembler les murs, et pour un géranium qui pousse dans les charniers, tant qu'il y aura des hommes, on pourra espérer. Des hommes, tant qu'il y aura 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 des hommes. Je sens que vous avez envie de chanter. Tant qu'il y aura, tant qu'il y aura, tant qu'il y aura des hommes. Et des femmes aussi, bien sûr. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes.
Merci. La prochaine chanson, c'est une chanson qui est en écho à un documentaire que j'ai vu il y a quelques années, que vous devez connaître, qui s'appelle Demain. J'imagine que vous l'avez vu. Ça parle de plein de choses très intéressantes. Ça parle entre autres choses de ce courant de pensée qui s'appelle la décroissance, qui se pose la question de comment vivre mieux en consommant moins et mieux, ce qui bien sûr est un enjeu de nos jours. Et ça, donc ce documentaire faisait écho à une chanson que j'avais dans mes tiroirs, donc que je vais vous chanter, et qui prône une espèce de retour à l'essentiel, à l'essence des choses. Et ça s'appelle « Une goutte d'eau ». J'aurais fait le tour du globe, exploré le cosmos. Quand j'aurais percé sous les robes le secret des roses. Quand j'aurais joué avec ma vie, avec les mots, je reviendrai boire à la source une goutte d'eau. Quand j'aurai trinqué à Pékin, flambé à Miami. Quand j'aurai compté sur une main mes derniers amis. J'attendrai sagement la colombe et son rameau. Je reviendrai boire à la source une goutte d'eau. Revenu de guerre, revenu de tout. Quand on a bu la mer, volé l'or du Pérou, on cherche un autre Eldorado, une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Quand tous mes rêves mercantiles me seront arrivés, quand les lumières de la ville m'auront aveuglé, j'irai retrouver mon enfance, mon vieux traîneau, je reviendrai boire à la source une goutte d'eau. Oh, revenu de guerre, revenu de tout. Quand on a bu la mer, volé l'or du Pérou, on cherche un autre Eldorado. Revenu de guerre, revenu de tout. Quand on a bu la mer, volé l'or du Pérou, on cherche un autre Eldorado. Une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Combien là ? On a combien ? Marie ? On en a 226. Oh là là. Magnifique. Ah, 228. 228. Voilà. Bon. Et il y a des réactions, il y a des choses sympas. Oui, oui, alors sympa, c'est, même, ouais, puis alors les gens se font des coucou, ils disent bonjour, tout d'accord. Ça. Y a comme plein... si on n'était pas là, quoi, finalement. Ils se, un peu comme s'ils buvaient une bière. Comme s'ils buvaient une bière à Agenda, ah, tu vois. Ça, c'est ouais. Sympa. Ça, c'est et très puis alors, il y a beaucoup, de clap-clap, de pouces en l'air, et puis de on vous aime. D'accord. Il y a des cœurs. Plein. C'est pour ça qu'on fait ce métier, quand même, hein, vous le savez, pour les cœurs. Alors, je vais... Ah, pas pour l'argent, non, ça c'est sûr. Je vais vous parler de ma ville natale. Ça, oh là là, bah, ça fait plaisir à une personne, au moins. C'est une ville qui s'appelle Le Creusot, qui se trouve en Saône-et-Loire, un peu au nord de Lyon. Et...
Voilà, je vais vous chanter la chanson, c'est encore mieux que de longs discours. C'est un hommage, quand même, pour vous dire quand même deux, trois mots, c'est un hommage à cette ville, mais c'est surtout un hommage à mes racines. Voilà, puisque mon père, mon grand-père, ils ont bossé toute leur vie à l'usine, et là-bas, c'était Creuse-aux-Loire. Vous connaissez sans doute, c'est assez connu. Et c'est voilà, une ville qui a connu pas mal de difficultés au début des années 80, voilà, avec pas mal de chômage et de licenciements, etc. Et je crois que mon frère et moi, ça nous a marqué. On a fait cette chanson pour rendre hommage à nos racines. C'est là que je suis né, que j'ai vu la lumière, au pied des cheminées qui ne fument plus guère. À l'ombre d'un colosse de métal et d'acier, qui a roulé sa bosse et aujourd'hui s'assied dans son lit de copeaux. Pour l'éternel repos, te laissant solitaire, oh ma ville en poussière, oh ma vieille ouvrière. Je creuse ta mémoire, je creuse tes entrailles, je réveille tes rues noires et tes bleus de travail. Le rouge de tes forges et tes petits métiers, les chansons dans ta gorge de Clément et Potier. Les lundis au boulot, les dimanches au goulot, pour tes fils et leurs pères. Oh, ma ville en colère. Oh, ma vieille ouvrière. J'entends le battement de ton cœur épuisé, le long halètement du vieux fer à souder. Tes vilebrequins se taisent, ta sirène oublie l'heure. On a sucré des fraises, exilé tes fraiseurs. Ton pilon immobile toise nos automobiles, coincés dans tes artères. Oh, ma ville en jachère. Je longe le squelette des ateliers déserts, comme des oubliettes peuplées de courants d'air. Y a-t-il encore quelqu'un? Où sont les vieux cocos? Des mots américains me reviennent en écho. Dans l'ombre, un petit vieux me demande du feu et me parle d'hier, de sa ville nourricière, sa vieille ouvrière. Thank you.
Puisque le temps presse, puisque rien ne dure, puisque nos caresses deviennent des blessures, puisque nos fantasmes ont le souffle court, puisque le marasme guette nos parcours. Puisque trop lourdes nos paupières, on verse des torrents de bière. On verse des torrents de bière. Tous les samedis soirs, éternel retour, on cherche des phares, des sorties de secours. Pris dans la tourmente, on vient se briser dans les pubs d'Irlande ou du New Jersey. Pour le spleen, y a pas de frontières. On verse des torrents de bière. On verse des torrents de bière. Quand le sol s'écroule sous nos pieds d'argile, quand les larmes coulent, rivière futile, quand la fin du mois revient chaque semaine, quand une fille s'en va, hautaine et lointaine, pour une Vénus au cœur de pierre, on verse des torrents de bière. On verse des torrents de bière. Puisque l'on s'éloigne de nos châteaux de sable, puisque les montagnes sont infranchissables, puisqu'on a perdu nos amours de môme, puisqu'on est devenu presque des fantômes, puisque blanchissent nos crinières, on verse des torrents de bière. On verse des torrents de bière comme un déluge sur la terre. On verse des torrents de bière. On verse des torrents de bière. Bon, tout se passe bien chez vous. Marie, quelles sont les nouvelles du front ? Alors, les nouvelles du front, j'en profite pour quand même dire qu'on félicite Clément pour le son. Ah oui ! Ouais. Mais j'allais le dire, mais un peu plus tard, mais anticipe. Oui. C'est super. Tu te rends compte ? On sait que Clément est là. Et alors, sinon, Hélène Grange a fait la deuxième voix sur la chanson précédente. Ah, mais je l'ai entendue. Tu l'as entendue ? Ouais, je l'ai entendue. Et je tiens à dire que c'était vraiment génial. Ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord. C'est tout ? Non, les gens sont contents. On te remercie beaucoup. Ah, la parité est respectée à l'intérieur. Guillaume me dit qu'on est 14 ici, 7 garçons, 7 filles. Voilà, c'est une information. Vous en faites ce que vous en voulez. Hein. Bon. Thank you.
Depuis que t'es loin dans l'espace et le temps, j'ai effacé tes défauts. J'ai ranimé au creux de ma mémoire le feu de ton regard. Même si ton parfum s'est perdu dans le vent, tu vis toujours dans ma peau. J'ai oublié nos batailles dérisoires, je voudrais te revoir. Oh ma fugitive, les jours qui se suivent me font l'effet d'une forêt profonde, cernée de ronces et de loups à la ronde, que je traverse transi. Au ralenti. Depuis que tu danses sur d'autres parallèles, dans des palais irréels, tu viens peupler mes rêves et cauchemars, visiteuse du soir. Quand j'entends la nuit des pas sous la tonnelle, je soulève les persiennes. Était-ce la pluie ou peut-être un chat noir? Je voudrais te revoir. Oh ma fugitive, où es-tu captive? J'implore Dieu de m'ouvrir la mer rouge. Sur l'autre rive, je vois tes lèvres qui bougent, mais les mots que l'on s'envoie reste sans voix. Oui. Quelles sont les nouvelles ? Alors, les nouvelles, c'est que nous sommes, enfin, vous êtes, nous on est 14, mais vous êtes 238. Ça n'en finit pas de grimper. Ah non, ça n'en finit pas. Alors, on apprend qu'il y a 4 personnes en train de prendre l'apéritif. Voilà. Pas mal de gens qui font la cuisine aussi, en vous écoutant. Nous, on mangera après. Alors la prochaine, c'est une chanson que j'ai écrite toujours avec mon frère Philippe. Et c'est une chanson qui fait écho à la chanson sur ma ville que je vous chantais tout à l'heure. C'est une chanson qui nous a été inspirée par quelque chose qu'on a entendu à la radio à l'époque. C'était dans les années 2006-2007 environ. Et on entendait, on écoutait la radio, il y avait un soir le témoignage de quelqu'un qui racontait que ce matin-là, il s'était levé pour aller travailler. Et sur les lieux de son travail ce jour-là, il est tombé face aux grilles de son usine qui était fermée. C'était un témoignage bouleversant qui nous a beaucoup touchés et qui nous a rappelé ce qu'on avait connu dans notre ville du Creusot quelques années auparavant. Et on a écrit cette chanson, c'était en 2007-2008. On a écrit cette chanson en se disant qu'elle allait devenir obsolète un jour. On attend ce jour. Quand je suis arrivé aux aurores, il n'y avait plus rien. Plus une machine dans mon décor, plus de turbin. Ils m'ont pas consulté, pourtant j'étais pas pour.
Il y a mon usine qui a foutu le camp à Singapour. Elle a pris ses jambes à son cou, sa vieille carcasse. Elle va rajeunir d'un seul coup si elle se casse. C'est ce que nous ont dit les énarques dans leur discours. Il y a mon usine qui a foutu le camp à Singapour. On aurait aimé lui faire signe devant la porte, mais c'était pas dans les consignes pour que ça rapporte. Fallait faire vite et surtout pas être à la bourre. Y a mon usine qui a foutu le camp à Singapour. On a bien essayé de gueuler, slogan qui gronde. On est passé à la télé 15 secondes entre la pub et les deux buts d'OM Strasbourg. Ah, y a mon usine qui a foutu le camp à Singapour. Qu'est-ce que je vais dire à ma moitié, à mes gamins? Moi qui n'avais que mon métier, mes deux mains, j'ai mal au cœur, j'ose plus rentrer dans ma basse-cour. Y a mon usine qui a foutu le camp à Singapour. Mes ancêtres ont connu la trique et puis la guerre. Moi, c'est à coup de statistiques que l'on m'enterre. Il va falloir doubler mes doses de Cronenbourg. Y a mon usine qui a foutu le camp à Singapour. À Singapour. Je suis arrivé aux aurores, il n'y avait plus rien. Plus une machine dans mon décor, plus de turbin. Ils m'ont pas consulté pourtant, j'étais pas pour. Il y a mon usine qui a foutu le camp à Singapour. Il y a mon usine qui a foutu le camp à Singapour. Il y a mon usine qui a foutu le camp à Singapour. Sur les vagues, des cris d'enfants s'échappant du verger. Et à ton doigt, cette bague que j'aurais pu glisser. Tant de nuits occupées à faire l'amour dans un présent figé comme un tableau. Un voilier au fil des jours, tranquille sur les flots. Tranquille sur les flots. Faut pas regretter quoi qu'il arrive la vie qu'on aurait pu vivre. La vie qu'on aurait pu vivre. Tous les sourires qui n'ont pas su vieillir, tous les serments qui n'ont pas su nager. Une boîte à souvenir, trop vite refermé. Tous les itinéraires envisagés, toutes les valises qui rêvaient de partance. Tous les possibles trajets, comme des lignes de chance. Comme des lignes de chance. Faut pas regretter quoi qu'il arrive la vie qu'on aurait pu vivre.
la vie qu'on aurait pu vivre. Que sont nos amoureuses devenues, qu'on a connues trop tôt et mal aimées. Dans nos vies, on s'évertue à suivre nos baisers, à suivre nos baisers, et à regretter quoi qu'il arrive, la vie qu'on aurait pu vivre, la vie qu'on aurait pu vivre, oui, à regretter quoi qu'il arrive. La vie qu'on aurait pu vivre, la vie qu'on aurait pu vivre. Je ne sais pas dans votre salon ou dans votre cuisine ou dans votre chambre, mais ici, il y a une ambiance de fou. Alors Marie, un petit point. Alors je dois dire que sur la chanson précédente, il y a eu beaucoup de remarques et de cœur encore sur le violoncelle et la violoncelliste. Qu'est-ce que tu veux ? À un moment donné, on ne peut pas lutter. Là, c'est sûr. Chaîne devrait vous calmer un peu, hein. Ça devrait vous refroidir si tout va bien. Rien d'autre, Marie, pendant que je m'accorde ? Non, mais. Alors, on a des gens de Belgique, de Mont-Saint-les-Mines, et puis on a une petite Louise qui dit : Papa, je t'aime fort et tu chantes trop bien. Oh, les frissons, merci. Et Hélène aussi, tu chantes trop bien. Oui, mais papa, un peu mieux quand même. Mais papa, t'es trop fort. Je t'embrasse, Louise. Oh, c'est émouvant, tiens. Bon, alors la prochaine, c'est une chanson que... Les deux prochaines, d'ailleurs, ce sont des portraits. Il y a pas mal de portraits qui peuplent mes chansons pour ceux ou celles qui connaissent mon répertoire. Et c'est le cas des deux prochaines. Donc tout à l'heure, je vais vous chanter une chanson qui s'appelle Tatiana sur le périph. Ça fait plaisir à une personne. Oui. Et là, on va... je vais vous présenter un autre personnage. Oui, on me parle, non ? Un autre personnage qui s'appelle Joe. On va aller un peu loin d'Agendar et de Lyon. On va aller de l'autre côté de l'océan Atlantique, aux États-Unis, dans l'État de Géorgie. C'est une chanson qui m'a été inspirée par des films, notamment deux films américains des années 70 qui parlent du retour des soldats de la guerre du Vietnam. Vous allez voir, on va bien se marrer encore. Je pense notamment à Taxi Driver et à Voyage au bout de l'enfer, qui sont des films prodigieux, des films américains des années 70, tout à fait bouleversants, que j'ai revus il n'y a pas longtemps encore. Et il y a une dizaine d'années, j'ai eu le plaisir de me rendre à New York. Et au détour d'une de ces grandes rues, je suis tombé nez à nez avec quelqu'un qui faisait la manche, qui vivait dans la rue. Il avait un caddie et surtout, il avait un bout de carton sur lequel il avait marqué « Vétéran ». Et là, on n'était plus à Hollywood, vous voyez. C'était juste là, sous mes yeux, à quelques mètres. Et je pense à cette personne maintenant très fort quand je chante cette chanson-là. Je pense à lui et je pense à tous les autres, à toutes les victimes du rêve américain. Ça s'appelle Joe de Géorgie. Plus de travail dans ton champ de coton, on te fait GI, que tu le veuilles ou non. On te sort de ton trou quand le drapeau rugit, ou bien tu mendies où tu mets les bouts, plage de Normandie, loin de Malibu. On te prend par la main
quand sonne le jour J. Joe de Géorgie. T'es toujours d'accord, toujours bonne pomme, loser du décor, fils de l'oncle Tom. À l'envers d'Hollywood et des grandes orgies, Saïgon, Bagdad pour seules vacances, guerre chaude ou guerre froide, toi, tu t'en balances. T'es pas bien au courant des hautes stratégies, Joe de Géorgie. Un jour tu reviens le corps irradié, une jambe en moins et tu es radié. Ta présence fait tache, ton beau pays rougit. Alors tu t'installes sous un vieux carton, dans ta ville natale qui sait plus ton nom. Tu t'enfonces dans la nuit, sans boussole ni bougie, Joe de Géorgie. Elle vient des plaines d'Ukraine où ne poussent plus les graines. Elle a laissé ses petits frères sous la centrale nucléaire. Elle rêvait de grands espaces, la voilà qui fait des passes, des billets plein le soutif, Tatiana sur le périph. Elle se dandine au feu rouge entre Vincennes et Montrouge. Et si loin de la toundra, elle se roule dans tous les draps. Elle accepte les rencarts des toqués et des tocards, quitte à revoir ses tarifs, Tatiana sur le périph. Dans sa baraque de briques, son grand-père était moujique, toute sa vie courbée les chines sous le portrait de Staline. Puis un jour le mur se brise, on prépare sa valise, mais le même destin nous griffe, Tatiana sur le périph.
Elle envoie de temps en temps de l'oseille à ses parents. Elle dit qu'elle est comédienne, elle leur écrit que tout baigne et qu'elle reviendra bientôt, les bras chargés de cadeaux, serment d'amour excessif, Tatiana sur le périph. Elle dit qu'elle les sauvera de la peste, du choléra, qu'elle construira des collèges dans ce grand désert de neige. En attendant, elle racole, les yeux embués d'alcool, mais le cœur encore naïf, Tatiana sur le périph. Elle vient des plaines d'Ukraine où ne poussent plus les graines. Elle a laissé ses petits frères sous la centrale nucléaire. Elle rêvait de grands espaces, la voilà qui fait des passes, des billets plein le soutif, Tatiana sur le périph. Merci d'être là, ici et puis derrière vos écrans. Merci beaucoup, je vous sens, hein, je vous devine. C'est très... Montréal, Istanbul, la Belgique, Montsolémine. Alors Tatiana ouais. Était attendue depuis le début du concert, il faut le dire. Elle a été réclamée, mais non-stop. Ouais. Bah, elle est venue, elle a fini par venir. Bah, elle a fini par arriver. Quoi. Je vous remercie beaucoup. On avait prévu d'en faire une toute dernière pour se dire au revoir, avant peut-être le rappel, hein, on ne sait jamais. Je ne sais pas si ça existe dans le monde virtuel, je rappelle. Ah, un commentaire sympathique. Ah oui, alors, Guillaume a beaucoup aimé le commentaire qui dit « On préfère Joe de Géorgie à Manu de l'Élysée ». C'est vraiment pour Guillaume. Bon, alors, vous le savez, vous en doutez, pour faire ce genre d'événement, il faut beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Et beaucoup de foi. Et vraiment, je pense à tous ceux qui ont œuvré pour faire en sorte que cet événement existe. Et alors, vous le savez, c'est toute l'équipe d'Agendar qui est une salle, une petite salle de la Croix-Rousse que je connais bien, que je fréquente, que j'ai plaisir à... Alors, il se passe des choses. J'ai du mal à me concentrer, à parler, parce qu'il se passe des choses ici. Ah, il y a une distribution. D'accord. Bon. Alors, donc, je remercie très, très, très chaleureusement toute l'équipe d'Agendar. J'aimerais qu'on ait une pensée. Alors, je vous demande, peut-être vous applaudissez chez vous ou ici. Ça me ferait très plaisir. Guillaume, bien sûr. Marie. Priscilla. Aux lumières, il y avait Ancelin qui fait partie de l'équipe aussi. On peut l'applaudir très fort. Au son, il y avait Monsieur Clément Bally. On peut l'applaudir aussi très, très fort. Et puis pour tout ce qui est internet, images et tout, il y avait Jean-Christophe qui a été aidé par Antoine. Voilà, on peut les applaudir. Merci beaucoup pour le boulot. Merci à Alex aussi, clin d'œil à Alex. Et puis, alors on me fait... Ah oui, non, vas-y. Oui, vas-y. Alors, ah oui, ok, c'est bien ça. Aux applaudissements, c'est comme à la télé, il y a des prompteurs, mais sauf que c'est manuel un peu. Enfin, c'est... Alors, ah oui, d'accord. On applaudit Nathalie, ça, Nathalie. Samantha. C'est bon, vous avez le temps de lire. C'est cool. Allez. Ah, il en reste. Ah oui, oui, ça j'ai pas oublié. Ça j'ai pas oublié. Oui, après. Non, je vais le dire maintenant. Je vais le dire maintenant. Sachez que à Lyon, il y a quelques scènes comme ça qui me, quelques salles qui me tiennent à cœur. Il y a Agendar, bien sûr, je vous en ai parlé. Il y a aussi À tout bout de champ. Il y a la salle des Rancis et la MJC du Vieux Lyon. Ce sont les quatre lieux vraiment qui sont importants dans mon parcours.
Voilà. La semaine prochaine, il y a un événement similaire à celui-ci qui se passe à tout bout de champ et qui sera retransmis sur le net aussi. Ça se passe jeudi prochain, jeudi 18 à 20h30. Et ça sera un coplateau entre Gérard Morel et Anne-Lise Roche. Voilà. Donc je vous invite, les amateurs de chansons et les autres, je vous invite à découvrir ces beaux artistes sur le net. Et ça se passera à tout bout de champ. Voilà. Avec moi, il y avait au violoncelle, au chœur, Hélène Piris. Ce siècle avait 2 ans, souvenirs plein la tête. Je vous parle d'un temps que vous devez connaître. C'était le temps de Zidane et d'Amélie Poulain. Les ruines de Manhattan fumaient encore au loin. Mais surtout, c'était le temps de nous deux, de nos doigts se frôlant, malicieux. Les livres d'histoire n'y verront que du feu. C'était le temps où Renaud chantait sa dépression. Le Seigneur des Anneaux déchaînait les passions. Le temps des émissions, caméra dans les coins. Et voilà Tartempion, idole jusqu'à demain. Mais surtout c'était le temps de nous deux, de nos yeux se croisant, silencieux. Les livres d'histoire n'y verront que du feu. C'était le temps de Chirac à 80%. C'était le temps où l'Irak nous semblait menaçant. Le temps des étudiants, futurs intérimaires, blottis jusqu'à 30 ans dans les jupes de leur mère. Mais surtout, c'était le temps de nous deux, de nos corps s'enlaçant, délicieux. Les livres d'histoire n'y verront que du feu. Ce siècle avait 2 ans, souvenirs plein la tête. Je te parle d'un temps où j'ai pu te connaître. On n'était pas Zidane, ni Amélie Poulain, juste deux cœurs qui planent dans un monde incertain. Ce siècle avait 2 ans. 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 Ça chante, hein. Ce siècle avait 2 ans. 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 Ce siècle avait 2 ans.
Merci beaucoup. Hélène Piris, avec moi, violoncelle. Alors, je lis. Bis, bis, une autre, encore, okay, encore, bon, bah, on en a encore une, un autre, rappel, une autre, une autre, une autre. Le rappel virtuel. Okay. Alors, il faut savoir que certains écoutent Fred et Hélène avec la voix de l'image avec d'Emmanuel Macron. Ah oui, ça doit être étrange. Hein, ça doit être très, très étrange. Mais quand même, hein, une autre, une autre, une autre, une autre. Bon, on en fait une dernière. Il est 20h. Allez, restez avec nous. Bon, on a combien là, Marie? Bon, alors on en a perdu un peu, on n'a plus que 192, voilà. C'est pas mal. Ça reste très honorable. C'est vachement bien. D'accord. Tu as les noms des gens qui ont déserté ou non? Oui, ils sont fichés. Ah, ils sont fichés. J'adore ce mot. Ils sont fichés. Fichés par Agendar, c'est quelque chose, ça fait peur. Hein. Chose, ouais. Bon, encore un grand merci à Agendar, encore un grand merci à vous qui étiez avec nous. On l'a bien senti, on vous a deviné derrière vos écrans. Merci d'être là. On se quitte avec une chanson qui s'appelle « Éphémère ». Et je vous embrasse et à bientôt dans la vraie vie, hein. En vrai, voilà. Tu peux gagner tous les jeux de l'amour et du hasard. Tu peux bâtir prétentieux des empires et des remparts. Tu peux régner sans partage sur la terre d'Eldorado. Tu peux même brûler Carthage et repartir au galop. Et souviens-toi que les fleuves se jettent dans la mer. Quel effet ça te fait d'être éphémère? Tu peux gravir des Everest, tutoyer l'Himalaya. À toi la conquête de l'Ouest et le trésor des Mayas. Tu peux détourner les vents, suspendre un pont dans le vide. Tu peux salir l'océan et pleurer des pluies acides. Mais souviens-toi que les fleuves se jettent dans la mer. Quel effet ça te fait d'être éphémère? Souviens-toi que les fleuves se jettent dans la mer. Quel effet ça te fait d'être éphémère? Et souviens-toi que les fleuves se jettent dans la mer. Quel effet ça te fait d'être éphémère? Thank you.
Et c'était Frédéric Bobin au chant, à la guitare. Tant qu'il y aura des hommes. Il y aura des hommes, il y aura des villes en flammes, des tours de Babylone, des forêts de napalm. Il y aura d'autres croisades, il y aura d'autres prisons, il n'y a qu'à changer les dates, il n'y a qu'à changer les noms. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des représailles. Des peines maximum et des nuits de cristal. Des guerres de 100 ans, des guerres de 6 jours, des fontaines de sang et des comptes à rebours. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes. Il y aura des hommes, il y aura des filles maudites, des routes qui mènent à Rome, des couleurs interdites. Il y aura des kamikazes et la loi du talion. Il y aura de l'eau dans le gaz, des gazelles et des lions. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes. Tant qu'il y aura des hommes, tant qu'il y aura des hommes.